Bienvenue dans le Top Money, cette semaine consacrée aux plus riches propriétaires et actionnaires des clubs de foot. Numéro 5, Roman Abramovich. La crise financière lui a fait perdre plusieurs milliards, pourtant le propriétaire des Blues est encore très loin de la faillite. Avec une fortune personnelle estimée à plus de 10 milliards de dollars. Arrivé en 2003 à Chelsea, le Russe aurait investi plus de 2 milliards pour réaliser son rêve, gagner la Ligue des Champions. Mission accomplie en 2012. Numéro 4, François Pinault. L'homme d'affaires français est à la tête d'une fortune de 15 milliards de dollars et du Stade Rennais, un club de Ligue 1 française. Avec son fils François-Henri, ils n'ont jamais voulu faire de folie financière. Le budget du club avoisine les 65 millions de dollars, très très loin des 400 millions du Paris Saint-Germain. Numéro 3, Rinat Akhmetov. Homme d'affaires ukrainien très controversé, il a repris le Shakhtar Donetsk après l'assassinat de l'ancien président en 1995. Et il a mis les moyens, il a investi une partie de sa fortune estimée à plus de 15 millions de dollars. Son rêve était de construire un stade immense, c'est chose faite en 2009. Cerise sur le gâteau, la même année, le Shakhtar remporte la Coupe de l'UEFA. Numéro 2, Alisher Usmanov. Le milliardaire russe a une fortune estimée à plus de 17 milliards de dollars. Pourtant, il n'est qu'actionnaire minoritaire du club anglais d'Arsenal. Il a bien tenté de racheter des parts, en vain. L'actuel propriétaire des Gunners, l'américain Stan Kroenke, ne pèse que 4 milliards de dollars. Un petit joueur à côté d'Usmanov. Numéro 1, Amancio Ortega. Troisième fortune mondiale avec 57 milliards, le patron de la chaîne de vêtements Zara est un des actionnaires minoritaires du club espagnol du Deportivo La Corogne. Les fans aimeraient bien que le milliardaire s'implique un peu plus dans le club, qu'il le rachète même, pour que leur club préféré puisse rivaliser avec deux grands d'Espagne, le Barça et le Real.